Aujourd'hui, c'est une marche citoyenne, solidaire, universelle. Elle doit se faire sans drapeau, sans symbole, sans bannière, ni mot d'ordre. Seulement les stylos, crayons et pancartes Charlie, s'il vous plaît. Nous sommes tous là pour les assassinés à Charlie Hebdo. Marchons pour leur mémoire et leur rendre hommage, qu'ils ne soient pas morts pour rien. Depuis mercredi, un collectif citoyen s'est constitué pour réfléchir à poursuivre cet élan et vous proposer diverses actions. Citoyens, républicains, démocrates et fraternels, marchons. Merci. Aujourd'hui, le 11 janvier 2015, est une date très particulière. Comme dans toutes les villes de France, le pays de Gex s'est mobilisé en hommage aux victimes des tueries de cette semaine et a manifesté son attachement à la liberté d'expression. Ferney Voltaire, qui abrita en son temps un chantre de la liberté d'expression, a été le théâtre de la manifestation la plus importante que le pays de Gex ait connue. Une foule estimée à plus de 8000 personnes, intergénérationnelle et multiculturelle, à l'image du pays de Gex, a défilé dans les rues de la ville pour finalement se recueillir devant la statue de Voltaire. Cette journée a été l'occasion pour les Gexiens d'exprimer leur solidarité et de démontrer leur capacité à se retrouver autour d'une cause commune, la liberté. Je suis là aujourd'hui parce que atteindre la liberté d'expression est une grosse erreur. Parce que ça m'a révolté tout ce terrorisme pour des dessins comme ça. Et du coup, je me suis dit qu'il fallait quand même venir être présent avec tout le pays de Gex et la France entière. On peut vous demander ce que vous pensez des bougies ? Ça allume plein de vie pour lui. Ça nous fait bien penser à Charlie et non, c'est très émotionnel. Et qu'il ne faut jamais lâcher, que peut-être dans des centaines d'années, il faudra continuer à se battre pour toujours avoir ses libertés. On peut vous demander pourquoi vous êtes venu ? Il faut qu'on milite pour la liberté d'expression parce que ça nous a touchés quand même. J'ai vu plein de gens touchés et ça m'a touchée aussi. Je trouve que Charlie Hebdo, il se battait pour la liberté d'expression et il pouvait rire de tout et moi ça me donne envie parce que j'aime rire de tout et je le ferai encore. Merci. Merci d'avoir regardé PageX TV et à très bientôt.